Ça y est, ça démarre? Ça démarre. Hop là. Bon, bah super. T'es fond vert, t'es fond verisé. Je le dis, t'es fond verisé, t'es même énorme. On va traduire un peu. Voilà, boum. C'est comme d'habitude, les derniers... Dernier réglage. Bonjour à tous, bienvenue sur ce Génération Sans Contact 5. Comment ça va, Théodore? Eh ben, ça va, et toi, Nico? Eh ben, écoute, ça va très bien. Je vais voir une manette. Eh oui. Alors, de chez Xbox, t'as entendu. Pourquoi une manette? Pourquoi une manette, tout simplement? Parce qu'aujourd'hui, c'est un live spécial. Ça va tourner autour du jeu vidéo. C'est vrai qu'au dernier live, avec Théodore, on en a un petit peu discuté. Et c'est vrai que ça nous avait bien plu de parler de ça. Enfin, voilà, on a... J'ai une certaine, on va dire, je me tiens au courant sur l'actualité du monde du jeu vidéo et tout ce qui est autour. Et c'est vrai que ça peut être sympathique de faire vraiment vraiment un live, pas forcément que dédié à ça, on peut parler aussi d'autres choses, mais c'est vrai que sur les différents temps qu'on va aborder, on va pouvoir tout simplement être plus précis et surtout vous faire découvrir peut-être des petites pépites jeux vidéales, hein. Je sais pas si ça se dit. Mais en tout cas, autour de ce milieu-là, et peut-être que vous avez l'habitude de jouer à certains jeux, vous êtes des casus, on va dire, mais que peut-être qu'il y a des jeux que vous n'avez pas découverts et qui sont sortis il y a longtemps que ça, et qui sont intéressants aussi à découvrir, à connaître, effectivement. Ouais. Du coup, je te laisse la parole, Théodore, le temps que je calibre, j'utilise de calibrer bien tout sûr. Ça. Donc là, je vois, on a un commentaire de Julien, c'est Julien. Salut Julien. Et donc c'est le live Génération Sans Contact. Comme on le dit les fois précédentes, c'est sans contact, ça veut dire dans une période où les contacts sont un peu plus compliqués. Donc nous on essaie quand même de maintenir le lien d'une manière différente. Et donc comme l'a très bien dit Nico, aujourd'hui la thématique du live c'est autour des jeux vidéo. Et du coup on vous a réservé une petite surprise. On va vous proposer un petit jeu, mais là tu vois, je vois qu'il y a trois personnes qui sont en visionnage. Peut-être qu'on se le réserve pour plus tard, éventuellement, ou... Bah là, comme je vous l'ai dit, là c'est promettant, on vous accueille tranquillou, tranquillou bilou. Comment allez-vous déjà dans le chat? On est trois personnes, donc ça va arriver au fur et à mesure, hein, faut pas commencer tout de suite. Les choses qu'on vous a réservées. On va parler d'ailleurs de plusieurs choses. Grosse actualité justement autour du monde du jeu vidéo, une perte de méga chiffre, si je te dis 80 suivi de millions de dollars de pertes en l'espace de deux jours. Deux jours, une perte, un gros groupe de développement qui a perdu 80 millions de dollars et qui ont dû débourser à la suite. 50 environ, hein, c'est chiffres ronds, 50 millions de dollars pour corriger cette affaire, pour corriger une histoire qui est arrivée à la sortie de leur jeu très récemment. Voilà, on en parlera bien sûr à ce moment d'actualité, mais ça a été le truc le plus insane en tout cas qui puisse arriver en tout cas pour ce groupe de développement et dans le monde du jeu vidéo. Beaucoup ont senti la chose arriver parce que pendant les phases où ils ont fait de la publicité sur ce jeu vidéo, il y a des phases de tests, etc. Mais ils n'ont pas donné toutes les bonnes ficelles et ils n'ont pas tout dit, quoi. Salut, c'est Amir. Salut Amir. Ah, il y a un message d'Amir. Salut Amir. Comment tu vas, Amir? Bienvenue à toi. Installe-toi, bien entendu, il reste un peu moins de 7 minutes. Parlez un peu de vous, qu'est-ce que vous faites de ce petit week-end? On va arriver dans cette actu de vidéo juste après, d'accord? Je suis en train de préparer les images que Théodore m'a envoyées. Ouais, et Nico nous commençait à nous parler brièvement d'une petite actu d'un jeu, là. C'est ça qui est sorti il n'y a pas longtemps. Exactement. Avec une perte de 80 millions, c'est ça de... 80 millions plus 50 millions, ça fait, on dépasse bien les chiffres des 100 millions de perte de chiffres, en tout cas, sur une sortie d'un seul jeu. Et du coup, on se demandait si ce jeu, vous le connaissiez, vous en aviez entendu parler, si ça vous... Voilà, peut-être que vous avez une petite idée derrière la tête de quel jeu il s'agit. Voilà, un petit peu, et puis... Amir il nous laisse un petit message, il nous dit je fais un ping-pong avec ma meuf. C'est aussi un jeu, c'est aussi un jeu, c'est un
C'est aussi un jeu. Et il existe d'ailleurs, on parlait de jeux, il y a aussi des jeux vidéo autour des sports, justement. Tennis, ping-pong, basket, foot, bien sûr. Bah, foot, bien entendu, la Ligue PES et FIFA, bien entendu, pour citer un peu les deux types de... Et toi, c'est des jeux auxquels t'aimes bien jouer, alors, les jeux... FIFA, non, pas du tout. Moi, j'ai beaucoup joué en jeu sport, si, quand j'étais petit, il y avait un seul FIFA que j'ai joué, mais sinon, je préfère plus les jeux de NBA, tout ce qui est basket, NBA 2K... C'est un jeu forcément qui est un peu moins connu parce que le monde du foot, bien entendu, c'est un monde qui est extrêmement connu, extrêmement médiatisé. On voit l'envergure qu'il y a autour de ça, hein, le foot, FIFA, tout ça. Et à chaque année, il y a un FIFA qui sort avec le PES derrière, 2020, 2021, 2022, 2023. Donc... Mais c'est vrai que FIFA, c'est très compliqué de s'y mettre à FIFA quand on n'a quasiment jamais joué parce qu'à chaque fois qu'on y joue, on joue avec des potes et souvent les potes, ils ont joué... bien plus longtemps que toi, et tu te fais exploser sur FIFA. Il y a des grosses différences de technique, hein, ça c'est clair. Bah surtout le skill entre guillemets, le skill donc l'expérience de jeu, et quand tu te fais éclater, que tu comprends pas ce qui se passe, bah t'es comme ça, tu fais bon bah super, je vais aller jouer à Minecraft. Hein. donc c'est. Moi pas, j'ai jamais joué à ce genre de jeu, genre, je me suis toujours dit c'est quoi l'intérêt, il vaut mieux que j'aille faire du sport dehors quoi. C'est vrai. Mais bon, après, parce que c'est kiffant aussi de faire du sport, faire du basket, aller faire un foot avec des amis, c'est bien aussi. Alors bon, de jouer à des jeux comme ça sur console ou sur PC, j'ai jamais trop vu l'intérêt. Mais après, par contre, il y a plein de jeux qui ont de l'intérêt. Ça, c'était un avis très personnel. Hein. Il y a des personnes qui aiment bien ce genre de jeu et pourquoi pas. Hein. Et de toute façon, il y en a pour tous les goûts. Et justement, donc on voulait... Après le compteur, il nous dit, il y a quoi après le compteur, Armir ? Après le compteur, on parle justement, on voulait vous parler de petits jeux peut-être que vous connaissez, que on va vous faire deviner des jeux. En gros, on va vous mettre des images. C'est ça. On a préparé en fait des images de jeux. Exactement. Donc c'est différents types de jeux. Voilà. Donc il y a des jeux, on est sûr, vous allez deviner du premier coup. Par contre, il y a des jeux qui sont un peu plus compliqués à trouver. Ils vont vous demander peut-être quelques recherches ou peut-être d'en discuter un peu entre vous parce que c'est peut-être des jeux qui sont un peu vieux. Et du coup, ça va vous demander de réfléchir peut-être par rapport. C'est des jeux auxquels vous avez joué, mais il y a peut-être un certain temps. Et voilà. Et donc ça, c'est dans 4 minutes. Après le compteur, Amir. Voilà, exactement. Théodore et moi, on a sélectionné vraiment des jeux de tout horizon, d'accord ? Parce qu'on a souvent l'habitude des gros jeux qui sont actuellement... On parle des Call of Duty, on parle de FIFA, des gros jeux vraiment qu'on voit principalement à l'écran. Mais il y a aussi des jeux qui sont sortis, notamment des jeux solo, des jeux de gestion, des jeux de simulation, des jeux de stratégie. C'est ça. Qui sont... très agréable à regarder. Alors après, ça dépend de l'âge. C'est vrai que moi, je n'ai plus le même rapport. Je prends l'exemple de moi, j'ai plus le même rapport du jeu vidéo que j'avais quand j'avais votre âge. Concrètement, quand j'avais 15 ans. Pour moi, c'était vraiment des jeux d'action, des jeux. Je m'en fichais un petit peu du côté, de l'histoire, etc. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, moi, mon jeu type, d'ailleurs, je poserai la même question pour Théodore. Moi, mon jeu type, c'est vraiment un jeu où on m'embarque dans une aventure, où on me fait vivre comme un film, en fait. Vraiment comme un film, après, c'est mon style de jeu. Mmh. Et ça, c'est vraiment, je veux m'investir dans un jeu, c'est ça. Voilà, je prends l'exemple d'Uncharted, par exemple. Uncharted, c'est vraiment un jeu grosse histoire, aventure, un peu à la Indiana Jones, tu vois. Et sinon, des jeux qui ne prennent pas la tête, où j'aime jouer avec les copains, c'est des jeux comme Among Us, des jeux où on est à plusieurs, quoi. Ouais. Des jeux, voilà. Après, quel type de jeu à toi qui nous parle un peu des jeux auxquels il joue. Il dit Rocket League, c'est la rue. Black Ops 2. Rocket League, tu vois, je te l'avais dit, Rocket League, c'est la base. Rocket League, c'est tellement la base. Non, donc on y avait pensé à Rocket League, effectivement. Effectivement, on y avait pensé. Moi, c'est vrai que c'est pas... Les jeux, pour tout te dire, tout avouer, Nico, les jeux, ça fait un petit moment que j'ai arrêté. Ouais, j'ai arrêté de jouer à des jeux. Mais je pense que j'ai énormément aimé jouer à des jeux quand j'étais plus jeune. Mais aussi parce que j'avais plus de temps. J'avais plus de temps et mine de rien, les jeux, ça demande du temps, ça demande de l'investissement et tout. Ok. C'est ça, après, oui, c'est ça, c'est surtout un gain de temps. Et ce que tu fais dans le jeu vidéo, ce que tu donnes dans le jeu vidéo, c'est du temps que tu peux perdre sur autre chose. Mais par exemple, moi, tu vois, moi j'avais l'habitude avec ma famille, mes parents, que le soir, on regardait un film, tu vois.
Maintenant, je suis un peu moins film. Après, pareil, je suis plus exigeant au niveau des films, des séries. Bah, au lieu de me faire un, au lieu de faire un film, bah, je vais rentrer dans mon film à moi, qui est le jeu vidéo. En plus, je joue avec. Ouais. Parce que maintenant, de plus en plus, les jeux vidéo, ça devient de plus en plus comme des films. Vraiment, c'est scénarisé, etc. C'est vrai qu'il y a des jeux. Et ça change. Ouais. Ça change, du coup. Au lieu d'aller à une série ou un film, bah, tiens, je vais rentrer dans un jeu vidéo. Bah, le même temps que je vais mettre pour regarder une série ou pour un film, lors de une heure et demie, et bah, je vais le consacrer pour le jeu vidéo. Et du coup, bah, peut-être que. Après, c'est voilà. Il y en a qui sont pas du tout jeux vidéo, il y en a qui sont pas du tout là-dedans. Puis il y en a qui rentrent très tard aussi dans le jeu vidéo. Mais tu disais, en tout cas, c'est vrai qu'une des caractéristiques du jeu vidéo, c'est quand même que c'est très immersif. Très immersif. Et ça a des bons et des mauvais côtés. Puisque bah, d'un côté, on parle d'addiction. De l'autre, on parle au contraire bah, de stimulation, de passion aussi. C'est vraiment. Il y a des jeux qui sont passionnants et sur lesquels on pourrait passer des jours. On peut passer des jours d'affilée à jouer. Mais c'est là où c'est toujours le jeu vidéo en ce moment. Hein, c'est vrai que ça fait beaucoup débat parce que bah ouais, c'est très bien vu par certains et très mal vu par d'autres. Donc voilà, c'est sûr, ça génère souvent des tensions dans la famille et ailleurs. Après, hein, c'est sûr que un jeu, il est attractif. Et c'est vrai que l'attraction, c'est comme tu vas à Disneyland. Ouais. Tu sais, quand tu vas à Disneyland, moi je prends l'exemple de Disneyland parce que tu fais un manège, je suis, oh, il était trop bien, je veux le refaire. Là, on rentre un peu dans cette micro-addiction. Hein. Et on va bientôt rentrer du coup dans le deuxième temps. Cette micro-addiction. Ouais. Mais Disneyland, il y a le temps, ça ferme à une certaine heure. Et puis après, il faut payer aussi pour y revenir, etc. Alors que le jeu vidéo, le jeu, tu le payes une fois. C'est comme une attraction, mais une fois que tu l'as et tu peux jouer autant que toi, tu vois. Il n'y a pas de limite d'heure. Et puis tu peux y jouer de la manière dont tu veux. Exactement. Il y a des jeux, bah voilà, tu peux aussi bien y passer 2 heures et puis arrêter. Tu peux essayer de, bah, comme tu disais, essayer de comprendre toute l'histoire, toute la narration. Il y a Jojo qui nous fait ce que moi je te coupe. Vous êtes chaud pour faire une partie d'Among Us après? Bah justement, j'ai joué avec 10 collègues à moi à Among Us hier. C'était insane. Je l'ai streamé d'ailleurs, j'en ferai. Sinon, je te parlais que je suis en train de faire un montage vidéo, c'est sur ça. Ah ouais? Ah ouais, et j'ai fait une partie avec des collègues, c'était. Wow, et c'était. Ouais, Among Us, tu vois, c'est un jeu qui, en ce moment, qui fait le buzz. Là, ça s'est un petit peu calmé, le buzz sur ce jeu. Mais ouais, Among Us, c'est un jeu que j'ai joué très souvent. Des avantages de Among Us, c'est que il faut trouver du monde, déjà. Il faut être minimum 4. Ah ouais? 4 vrais joueurs, tu peux pas jouer contre. On appelle ça l'IA. C'est le seul désavantage, mais après ça fait pense faire de confinement, genre ça permet de faire un gros rassemblement de ses potes et c'est un jeu qui pèse pas lourd, on peut jouer gratuitement sur téléphone aussi. Ouais, okay. Et on peut jouer téléphone PC, c'est cross platform. Ah ouais, c'est assez intéressant. Cross platform tu dis. La cross platform aussi, ça c'est la mode en ce moment. C'est cross platform, c'est que tu peux même si tu joues sur Xbox, moi je joue sur PS4, Call of Duty par exemple, on peut jouer tous les deux sur sur deux plateformes différentes mais on peut jouer ensemble. Ouais, bien sûr. Ouais. Ça, c'est un truc qui arrivait très très peu. Hein. Avant, Sony, ils n'étaient pas d'accord sur ça. Ils voulaient, oh, non, nous, c'est pro PS4 et tout. Au final, ils ont mis un peu de l'eau dans leur vin et dit, oh, c'est pas mal la cross-platform, ça rassemble les joueurs et tout. Donc voilà. Ouais. Mais c'est la même chose, tu peux jouer en local aussi sur certains jeux. C'est-à-dire, tu peux avoir. Moins qu'avant. Moins qu'avant ? Moins qu'avant. Ouais. Il y a des jeux, bien sûr. Okay. Mais on en viendra plus tard. Là, du coup, c'est le moment de vous faire deviner les jeux avec les simples images. Alors, les images sont assez explicites. Alors, moi, après. C'est vrai que j'adore les jeux vidéo, donc j'aime bien me renseigner. Donc quand j'ai vu les images de Théodore, c'est vrai que moi j'ai quelques-uns que j'ai vraiment reconnus de suite. Bah ouais. Mais quelques-unes, par contre, j'ai mis la souris sur l'image pour voir le titre. Ah ouais, c'est ce jeu-là. Donc, maintenant c'est parti, c'est à vous de voir, de deviner. On va commencer par la première image. On va juste mettre le bon petit quart d'heure qui va bien. Première image, c'est parti. Alors, normalement, elle va s'afficher ici. Hop, je vous le mets en plus grand. Plus de lag de mon côté. Ouais, c'est normal, c'est mon PC, les gars. En ce moment, je sais pas ce qu'il a mon PC, il me dit crotte. Il me dit clairement crotte. Alors, je vais juste mettre nos caméras. Ah, ça y est, t'as mis l'image. J'ai mis l'image, c'est okay. Bon, elle est à disposition. Donc ça y est, là, vous pouvez essayer de deviner alors le jeu dont il s'agit. Exactement. Donc, vous pouvez regarder un peu l'image. À votre avis, c'est quoi comme type de jeu? Et donc nous dans ce qu'on voulait aussi c'était aussi vous faire à la fois découvrir certains jeux mais aussi bah voilà savoir comme tu disais est-ce que c'est un jeu de stratégie, est-ce que c'est un jeu solo, est-ce que c'est un jeu de vitesse, un jeu de course, enfin voilà. Si vous connaissez pas le jeu vous pouvez essayer de deviner un petit peu. Il faut nous dire si possible quel est le jeu et sur quelle plateforme elle existe. Ah ouais, en plus. Parce qu'il y a bien sûr des jeux qui ne sont que sur une seule plateforme ou que certaines plateformes ou toutes les plateformes.
Quand je dis plateforme, c'est PC, console, donc la, les consoles, d'accord, Switch, PlayStation 4, Xbox, mais aussi, il y a des jeux, comme je t'ai dit, Among Us, il existe aussi sur téléphone. D'accord. Attends, on a une réponse là de Romain Ben Belkacem, Animal Crossing Over. Exactement, on commence par des petits jeux, ok? Alors, des petits jeux, oui et non, mais vous savez que ce jeu Animal Crossing, exactement, alors sur quelle plateforme par contre, sur quoi on peut jouer sur, avec Animal Crossing? Donc du coup, c'est la bonne réponse, exactement, c'est ouais. Animal Crossing. Parfait. Donc c'est un jeu déjà axé, on va dire pour les petits, mais j'ai des amis, que ce soit hommes, femmes, etc., J'allais dire animaux, mais non, pas du tout. J'ai pas mon chien qui joue Animal Crossing. Hein, qui joue ? Donc c'est un jeu à la base axé pour les enfants de base, mais qui est quand même pas mal joué et que c'est un des plus gros jeux. Alors là, les gars, faudrait nous dire du coup sur quelle plateforme se joue ce jeu avant que je continue mes petites infos. Animal Crossing. Je sais même pas à quelle date il a été sorti ce jeu. Ah, je sais pas. Mais après, il y en a eu plusieurs. J'en avais même pas entendu parler, je t'avoue, de ce jeu. Mais ça ressemble un peu à un jeu comme. C'est un peu un jeu d'aventure, non ? C'est ça ? C'est un jeu de gestion. Un jeu de gestion. Déjà qu'on peut dire. C'est éducation, simulation. Le genre. Éducation. C'est-à-dire que dans le jeu, on apprend à faire certaines choses. On apprend. C'est pour ça que c'est un jeu qui est beaucoup axé. C'est à partir de 3 ans, hein, le jeu. Donc voilà, c'est Nintendo DS. Ouais. Alors effectivement, c'est Nintendo, c'est du groupe Nintendo. Donc il faut savoir que Nintendo, Animal Crossing fait partie d'un des jeux phares, en gros, en tout cas, de cette console. C'est même, je crois, le jeu qui leur rapporte, un des jeux qui rapporte le plus. Ah c'est ouais. Pas lui le premier qui rapporte, c'est un autre, on l'a pas mis, c'est Pokémon, d'accord. Pokémon, ça fait ouf. Ouais, c'est un centenaire Pokémon. Effectivement, il a existé sur Nintendo DS, donc les premières consoles, c'était les petites consoles portables, voilà. Et là, sur Nintendo Switch, la nouvelle console, on va dire, dernière console de chez Nintendo, effectivement, c'est un jeu qui est désolé pour la qualité floue de l'image, hein, c'est juste que vous avez un rendu, voilà. Effectivement, donc bonne réponse. Salut Nokia, bienvenue à toi, installe-toi. On parlait de Animal Crossing. Comme quoi, c'est un jeu Nintendo et c'est un des plus gros jeux, on disait, de la licence du Nintendo, du groupe Nintendo. Donc, nos amis japonais, on les embrasse, bien entendu. Qui d'ailleurs, ils sont en train d'ailleurs de faire une nouvelle Nintendo Switch très prochainement pour concurrencer les nouvelles générations PlayStation 5 et Xbox Series X. Vas-y, on envoie un On passe à la deuxième image. Deuxième image, attention. Et c'est bien parce que du coup, en t'entendant, tu m'as fait penser à une anecdote, mais... Retiens-la, note-toi quelque part, on en reviendra tout à l'heure. Deuxième image, les gars, alors celle-là, vraiment, ça c'est pour les puristes. J'essaie de me mettre, la mettre ici. On a sélectionné plusieurs de jeux. Ah, déjà, cette image est de meilleure qualité, ça c'est cool. Alors, déjà, vous avez le personnage, vous avez le personnage principal juste là, vous avez un superbe univers... donc dites-moi quel jeu c'est, ok. Et alors, sachant qu'il y en a eu plusieurs et de différentes manières. Ah, ça y est, je la vois apparaître. Yes. Alors du coup, on vous propose, pareil, vous nous dire de quel jeu il s'agit. Vous pouvez y aller. Est-ce que c'est un jeu que vous connaissez? Et puis, comme tu disais, Nico, sur quelle plateforme on peut jouer? Exactement. Donc tout à l'heure, on avait Animal Crossing qui se jouait que sur Nintendo Switch. Le jeu n'était pas jouable sur PS4. Toujours pas jouable d'ailleurs sur PS4, parce que c'est une licence spéciale à Nintendo, comme Pokémon, tout simplement. Comme Pokémon, c'est la licence Nintendo, c'est eux, c'est leur bébé, c'est leur bijou, s'il faut pas y toucher. Mais maintenant, quel est ce jeu? Aucune idée. Tiens, Nokia qui... Ah, ça c'est intéressant. Ah ouais. Pourtant, c'est un jeu qui est sorti il y a pas très longtemps. Ah ouais. Et qui a fait quand même pas mal parler de lui. Crash Bandicoot, exactement. Yes, c'est... bravo. Bravo, c'est qui l'a sorti. Bravo, Amir. C'est Jopopo DZ, donc c'est Amir, j'imagine. C'est ça. Désolé les gars, je ne vous connais pas personnellement. Théodore vous connaît un peu plus. PS4, bien joué, exactement. PS4, toujours Sony. Sony qui est une console japonaise. Enfin, Sony est basée à la base au Japon. Donc, comme Nintendo, tu vois. Les Japonais, ils sont pas mal quand même. Hein. Ouais. Effectivement, Crash Bandicoot, il y a le dernier qui est sorti, c'est Crash Bandicoot 4, je crois, qui est sorti récemment.
mais aussi Crash Team Racing qui ressemble un peu à Mario Kart like voilà, donc Crash Bandicoot qui est revenu et qui a été développé par Naughty Dog. Donc ah ouais. C'est eux qui ont nous parlé c'est eux que je vous parlais exactement pour The Last of Us. Voilà, c'est exactement. Donc c'est un jeu, moi je sais pas si vous avez la... Salut Diang, comment tu vas? On est 9 sur le live, dis donc. Ah ouais, grave, voilà. Bienvenue à toi, on est en pleine phase découverte, on vous fait tester des petits jeux sur... et on fait découvrir des jeux et on essaie de vous faire un petit peu interagir. Plus un follow, bah merci Noka, voilà, plus un abonné. Parce qu'on est... Alors follow c'est sur Twitch, abonné, voilà, gardons les mêmes classifications, attention. Et donc du coup, je reviens sur Crash Bandicoot, donc toi tu connaissais un peu Crash Bandicoot? Non, moi c'est un jeu que je connaissais pas. Alors c'est un jeu vraiment, je vous conseille, c'est un jeu qui a un bon humour franchement. Et que franchement c'est ça nous fait voyager. Ça, après, même si on connaît pas la licence Crash Bandicoot, si vous jouez au dernier ou au 4, etc., si vous avez la console PS4 bien entendu, c'est un jeu qui est très plaisant, qui est beau visuellement, c'est assez cartoonesque mais c'est assez joli, et surtout on se prend pas la tête. C'est on peut mettre un niveau difficile, il y a quand même une certaine exigence à partir d'un niveau de difficulté. Tu peux choisir la difficulté Et franchement, c'est un jeu qui rafraîchit, moi je dirais ça. C'est un jeu qui rafraîchit. J'avais joué au Team Crash Racing, personnellement. Ah ouais. Et voilà. Et donc du coup, c'est un petit jeu très très sympathique. Je vous fais une pub sur Snap. Merci, merci Amir, du coup, Jojo. J'ai appelé par ton pseudo. J'ai appelé Popo. Ah, et du coup, il y a un commentaire de Noka qui dit « Ouais, Pamir, c'est grâce à toi que je suis là. » Eh ben, c'est super cool, les gars. Merci. En tout cas, c'est tous les dimanches. Hein, voilà, c'est ça. Bah, exactement. Après, là, c'est le dernier dimanche. Ouais. Ah, c'est le dernier dimanche. Je pense que ça passe trop vite. On a fait plusieurs lives. On vous a proposé plusieurs lives. Là, c'est le premier qu'on fait autour des jeux vidéo. Exactement. Dédié vraiment aux jeux vidéo. On va passer à l'image suivante. Vas-y, envoie. Allez, alors c'est pas... Alors ça, là, vous me dites Xbox, oui, c'est triché. C'est l'arrière-plan. Hein. C'est le cadre. Attention, nouvelle image. Alors celle-là, elle est moins connue des joueurs. Ah ouais, c'est un jeu vraiment qui a sa spécificité. Alors, regardez, là on est dans une voiture déjà. Attends, mais tu spoil parce que moi je l'ai pas encore à mon écran là. Ça va arriver. Yeah, salut Yanis. Toi qui en a qui arrive. Yanson, salut Yanis. Alors. Donc pour ceux, juste, excuse-moi Nico, vas-y. Qui débarquent en cours de route, on est en train d'essayer de vous faire deviner des jeux. Donc vous pouvez nous dire un petit peu de quel jeu il s'agit et puis sur quelle console on peut y jouer. Donc c'est un live qui est dédié à tous les jeux, aux jeux vidéo. Et donc là on est dans un petit temps où on vous fait deviner quelques jeux et puis après on passera sur un temps d'actu. Nico, je crois, a des actus à nous partager. Normalement ça doit vous parler si vous regardez un minimum le monde du jeu vidéo. Il y a eu des fessés qui se sont perdus, hein, je vous le dis. Il y a quelques fessés qui sont partis. Hein. Du coup, quel est ce jeu qui en a derrière nous en arrière-plan? Théodore, vous avez sélectionné une petite image. Quel est le type de jeu aussi qui... d'ailleurs, on n'a pas dit le type de jeu de Crash Bandicoot. Ah, et c'est quoi alors? Parce que moi, je te disais, j'y ai pas beaucoup joué à Crash... Enfin, j'y ai pas joué du tout, je connaissais pas. J'en avais pas entendu parler. Alors Crash Bandicoot, c'est un jeu qui est sorti le 16 septembre 2020, donc c'est il y a quelques mois que ça. Éditeur Activision, c'est un jeu en mode solo, multijoueur, il fait un peu les deux. Et bien sûr, c'est un jeu de plateforme aventure, très simplement. Ok. Donc voilà. Alors, quel est... Alors là, on vous propose du coup dans le chat de mettre le nom du jeu. Donc, si vous connaissez, et sur quelle plateforme on peut y jouer? Alors, il sert à quoi ce live? Ce live est très simple. En gros, c'est la génération sans contact. C'est notre génération, c'est votre génération, pour répondre à ta question. Et le but du jeu, c'est que tous les dimanches, entre 15h et 16h, on se retrouve en fait pour parler de sujets d'actualité qui nous concernent tous. Au début, on a parlé beaucoup autour du Covid, etc. Ouais. Là, on s'est dit, allez, on se fait plaisir. C'est le dernier live, on va dire, de dernier dimanche.
de ce dimanche-là, enfin pour ce mois-ci. Ouais, c'est ça, de ce mois-ci. De ce mois-ci, avant de partir maintenant dans les fêtes et en vacances, on parle un peu de l'actualité de jeux vidéo. Si vous avez d'autres sujets de live ou d'actu ou autre que vous voulez nous faire partager, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que du coup, nous derrière, on travaille dessus, on met les images et on vous fait, on vous propose un truc où on peut se rassembler et profiter, kiffer un petit dimanche, voilà, entre 15h et 16h, avec notre ami Théodore et moi-même, Nico, pour ceux qui ne me connaissaient pas, bien entendu. Et du coup, Amir rebondit et nous dit... Je sais pas, mais c'est sur PC. Est-ce que c'est un jeu PC ? C'est un jeu multiplateforme. PC, PS4, Xbox, pas sur Switch, ni sur téléphone. Mais en tout cas, sur les grosses plateformes. C'est un jeu de course. Déjà, je vous donne un petit peu plus d'indices. C'est vrai que c'est un jeu qui parle pas beaucoup. Ah oui. Qu'est-ce qu'on peut y voir ? On peut y voir des petites voitures. Ouais, quel type de voiture ? Ça ressemble à ouais, des voitures de course. Des voitures de course. Alors, des propositions. Alors, pourquoi on a un masque ? Tout simplement parce qu'on est, on est quasiment côte à côte. Et comment c'est ? On est dans le lieu du centre social d'Écully. On est à côté de chez vous, donc quasiment. Si vous êtes, en tout cas, éculois, je te dis comme ça. Exactement. C'est une réglementation sanitaire. Précaution. On reste quand même dans le milieu du Covid parce qu'on est dans le monde professionnel. Si j'étais chez moi et que Théodore était chez lui et qu'on était en mode à distance, là, on n'aurait pas eu les masques. Voilà, c'est ça. Donc désolé, hein, bon il a un masque fond vert, vous remarquerez, ouais, regardez, fait, il a un masque fond vert. Voilà. C'est des Formule 1, exactement, le jeu s'appelle la F1. Et ouais. C'est un jeu de simulation de course, voilà, c'est un petit jeu. En fait, j'ai un ami à moi qui s'appelle Lumps, bah, d'ailleurs il est en train de regarder la F1 actuellement, il venait souvent sur le live Lumps, pour ceux qui ont déjà vu ou quoi que ce soit. Et en fait, tout simplement, il adore ce type d'univers, ah ouais. etc. Ouais, ouais, il est à fond là-dedans. Il y a vraiment des accros de ce jeu, de cet univers. Parce qu'en plus, ce qui est bien, c'est que c'est un jeu qui montre en fait quelque chose de réel. On a souvent des courses de F1, ouais. les grands Formule 1, voilà. Après, c'est rare quand même d'y aller soi-même ou d'assister soi-même. Exactement. Et le jeu, ce jeu-là, ça permet aussi de faire la pub entre les deux. Ouais. Donc voilà, c'est un jeu de F1, tout simplement. C'est pas un jeu de course arcade comme on a avec Need for Speed ou d'autres types de jeux. Là, vous cassez un peu votre voiture, bah genre l'aile droite va être cassée vraiment et ça va changer votre conduite. Voilà, c'est un petit jeu intéressant, si jamais vous y penchez un jour dessus. Mais ça ressemble pas à Need for Speed alors ? Non, Need for Speed, c'est la classe jeu de course, mais c'est pas simulation. Need for Speed, c'est plus genre arcade. Need for Speed, tu fonces dans les bagnoles, ta voiture est encore nickel, tu vois. Dans Need for Speed, c'est un autre délire. Okay. Ok, image suivante. Bon, j'espère que là, ce sera un jeu que je connaîtrai un peu plus. Ah. Non, parce qu'on a choisi ensemble les jeux, donc il y a des jeux que je connaissais pas du tout, et puis des jeux que je connaissais un peu plus. Mais comme je racontais tout à l'heure, moi, c'est vrai que j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo, donc... Voilà, après, ça, c'est des souvenirs, ça remonte à un Exactement. Peu loin maintenant. Nouvelle image. Donc là, il le voit en direct, mais si tu le vois pas encore, là, il le voit. Ok, d'accord. Donc là, c'est une nouvelle image. À votre avis, de quoi on parle, de quel jeu de type attention. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà y joué? Et après, je vais sélectionner quelques images. Ah, on a des réponses qui commencent à arriver. Ah ouais ? Dynamo Fantasy, Final Fantasy. Dynamo Fantasy ? Ouais, je sais pas, quelqu'un qui... C'est genre une dynamo qui fait ça et c'est ouf, c'est Fantasy, il sort des paillettes. ouais, Final Fantasy, exactement. Final Fantasy, ouais. Alors, oui, c'est Final Fantasy, mais de Final Fantasy, on a plein, ouais. Il y a une ribambelle de Final Fantasy. Donc, quelle est cette image de quel Final Fantasy ? Est-ce que c'est un dernier ? Est-ce que c'est un vieux ? Est-ce que c'est un remake ? Enfin, je vous donne déjà des indices. Aïe, aïe, aïe. Et puis, sur quelle plateforme on peut jouer à Final Fantasy ? Moi, il me semble qu'on peut jouer sur PC à Final Fantasy. Ça dépend lesquels. Ah ouais, ça dépend. Je vais vous dire pourquoi. Essayez de répondre dans le chat pour savoir... du coup sur quelle plateforme on peut jouer. Ouais. Mais moi dans mon souvenir je pensais qu'on pouvait jouer sur PC, ouais. Sur PC, bah, tu verras bien. Hop. Alors dans le chat, ils disent quoi? PS4. Ah dans le chat ils ont trouvé, hein. Salut Romain. J'ai même pas vu Romain, dis donc. Ah ouais. Et c'est lui qui a trouvé déjà le précédent, hein, je crois. Ah ouais. Attends, je vais regarder. Non, c'est Popo qui a trouvé jeu Popo. Ah non, il avait trouvé Animal Crossing. Il avait trouvé Animal Crossing.
Je suis Ryan. Bonjour Ryan. Non, chute Ryan, pardon. Ouais, effectivement, c'est PSK, donc Final Fantasy, le remake, qui est sorti il n'y a pas très longtemps de ça. Hop, que je vous retrouve... que j'avais alors, trouvé. Tu me disais, on peut pas jouer sur non, sur parce qu'en fait, Final Fantasy, c'est une licence. Ah, une licence, il y a des jeux à licence. D'ailleurs, c'est ce qui est la force de la nouvelle PS5. C'est la force de la nouvelle PS5, c'est qu'il a beaucoup de jeux à licence. Ah, oui. Et quand un jeu est à licence... Eh ben, il sort soit en priorité sur la console dans laquelle il a la licence, enfin le groupe de consoles à la licence, et après bien plus tard sur PC et les autres consoles, ou alors comme Spider-Man, le nouveau Marvel Spider-Man qui est sorti sur Miles Morales, qui est sorti là sur Sony, eh ben ne sortira jamais sur Xbox ou PC. Parce qu'ils ont la licence, c'est à eux, et du coup, tu vois un peu cette guerre un peu des consoles, bah nous on a ce jeu-là qui sortira jamais sur notre console, du coup prenez notre console, tu vois. Ouais. Donc c'est assez intéressant. Et Final Fantasy en fait partie. Après, il y a des Final Fantasy qu'on peut bien sûr jouer, ça n'est pas tous les Final Fantasy, mais en tout cas, celui-là a une licence pour la PlayStation 4. C'est un jeu solo, il n'y a pas moyen de jouer en multijoueur. Ah ouais. C'est Square Enix qui ont développé le jeu, très simplement. Et il est sorti le 2 mars 2020. Ah ouais, ok. Donc voilà. Nouveau jeu du coup. Ouais. Et ça va être le dernier, je pense, parce que le temps est déjà bien dépassé. C'est ça, c'est que ouais. On en avait plein d'autres des jeux, hein, je vous le dis, mais on a été mangé par le temps. Bon, j'espère que je connais connaîtrai le dernier. Oui, je vais connaître le dernier. Je pense. Après, c'est toi qui m'as sorti les images. Oui, mais ça veut pas dire que tu as les... Alors, désolé pour la qualité de l'image, mais là, je pense que tout le monde va reconnaître, à mon avis. Ah bah ouais, là, je pense... Ah là, celle-là, ouais, va être pas mal, celle-là. Ça. Allez, premier qui répond, il a gagné. Il a gagné quoi? Mon respect. C'est déjà pas mal, hein. Ah, ça y est, je vois l'image apparaître. Regarde, ouais, dégâts, boum. Ça fait peur, il a dégainé, tu sais, il a fait un Lucky Luke, là, il a fait oh, bam, Rocket League. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir au taquet. Exactement. Effectivement, Rocket League. Alors, Rocket League, oh, une grosse histoire. Mais Rocket League, je crois, ça fait... là, pour le coup, ça fait longtemps qu'il est sorti le jeu. Est-ce que toi, t'as déjà joué à Rocket League? Ouais, j'ai déjà joué. Sur quelle plateforme? Sur... est-ce que ça fait partie des jeux qu'on peut jouer sur PS3? Alors là, je vous dis... Alors, tous les jeux, normalement, ancienne génération, donc de la PS4, Xbox, etc., machin, on peut jouer, logiquement, sur les nouvelles générations. Ah ouais. Donc, mais là, c'est un jeu, déjà, il est sorti. Accrochez-vous. Rocket League. Ah, carrément, Yanzon. Salut, Yanzon. Il vient d'arriver, Yanzon, bienvenue à toi. Ouais. PS4, ça, Xbox, Twitch, PC, me dit Noka. Bah, voilà, il dégaine là. Bah, il vous en manque. Ah ouais. Il vous en manque. Effectivement, alors Rocket League, déjà, c'est un jeu qui est sorti en 2015. Il y a 5 ans de ça. Et généralement, les jeux qui durent dans la durée comme ça, au bout de 5 ans, c'est exceptionnel, c'est rare. Après, si, il y a World of Warcraft. Bon, le jeu qui, lui, il date avant-guerre, lui, et il marche toujours aussi bien. Mais tu sais que c'est un des premiers jeux auxquels j'ai joué, hein. World of Warcraft. Ça fait mal, hein. Ouais. Et ben, pour le coup, c'est un des meilleurs. Alors, c'est classifié MMORPG. MMORPG, donc c'est un jeu en ligne avec multijoueur. Même si maintenant, les MMORPG, les gens pensent à axer un peu le jeu. On peut jouer solo et aussi, ouais. Voilà. Fait, mais on a moins de récompenses. Ouais, c'est vrai. Je n'ai jamais joué à World of Warcraft. Ah ouais, si, ouais. Moi, j'ai joué une fois, j'ai pas aimé. Ah non, moi en fait, c'est pour vous dire, c'est un des premiers jeux auxquels j'ai joué, World of Warcraft. PS5 et Xbox Series X. Ouais. Et j'ai trouvé ça exceptionnel parce qu'en fait, c'était un univers, quoi. Mais c'est ça. C'est comme se balader dans un monde, mais tu... Mais en fait, quand j'étais petit, je n'avais jamais eu l'occasion... Alors moi, je n'étais pas gamer quand j'étais petit, mes parents, ils étaient contre ça. Ah ouais. Ouais, exactement. Et bon, j'ai fait vraiment foot, j'étais que extérieur, voilà. C'est juste au moment où j'ai commencé à avoir mon propre argent, où j'ai commencé à m'intéresser, où là j'ai pu découvrir des trucs. Et World of Warcraft, je l'ai découvert bien plus tard. Mais le problème, c'est que World of Warcraft, à l'heure actuelle, graphiquement, ah oui, ça pique un peu. Alors qu'ils te sortent des bandes annonces, waouh, ça flash et tout, machin. Non, par contre, tu sais que j'ai été impressionné par ce jeu parce que je crois qu'en termes de game. Game design de, non, pas de game design. Gameplay. De gameplay. C'était un des meilleurs jeux. Ça reste, en termes de gameplay, je suis d'accord, ça reste un des meilleurs jeux. Mais là, on s'égare. Ouais. Là, on parle de Rocket League. Je vais vous dire, alors, le tout, accrochez-vous, hein. Toutes les plateformes jouables, Rocket League, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, parce que oui, les Mac, on peut pas jouer à n'importe quel jeu sur Mac,
Mac OS, Microsoft Windows, Linux et Mac OS tout court. Voilà. En gros, on en compte. Et bien sûr, PlayStation 5, Xbox Series X, mais ça, ça n'a pas été mis à jour. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plateformes à laquelle on peut jouer à ce jeu. Étonne qu'il soit connu aussi. Et je crois aussi qu'il est cross-plat aussi. On peut jouer avec différentes plateformes en même temps. Ah ouais. D'accord. Voilà, ensemble. Ah ouais, d'accord. Celui de droite, c'était quoi tes premiers jeux? Celui de droite. Alors moi, c'est Nico. Celui de droite. Moi, c'est Nico. Nico. Ouais, mais c'est normal, c'est la première fois qu'il gagne sur notre live. C'était quoi tes premiers jeux? Alors, j'ai parlé pour un boomer, mais moi, mes premiers jeux, ça a été Star Wars. Les jeux Star Wars, épisode 1, Menace Fantôme, et les jeux Disney. Tout ce qui était Tarzan, ah ouais. Roi Lion, etc. Et Adibou, quand j'étais vraiment tout petit, vous savez, le petit jeu éducatif sur PC qui vous faisait... Alors ça, c'est vraiment un jeu... Parce que ça, c'était mes parents. Hein. Mes parents, ils ont vu que je voulais jouer aux jeux vidéo, bah, ils m'ont mis Adibou, en gros. J'apprenais mes maths, mon anglais, tout ça, mais sous forme de jeu, tu vois. C'était un peu... Je me faisais un peu douiller d'ensemble, mais je pouvais jouer. Donc voilà. Mais ouais, mes premiers jeux, c'était ça. Et après ma première console que j'ai eue, c'était la Wii. Ah et bon. Ouais, première console que j'ai eue, c'était la Wii. Et du coup, bah, avec la Wii, j'ai pu voir Spider-Man, le règne des ombres. Oh, ça date, hein. Et après, je me suis acheté la PS3. Et après, je me suis équipé dans le milieu du game. Et après, je me suis équipé dans le milieu du streaming sur Twitch, etc. Caméra, bah, tout ce matériel-là. Sauf le micro. Le micro que vous voyez là, je sais pas si on le voit. C'est au centre social. Pour ceux qui ont découvert cette chaîne de live au début, on avait deux micros. J'avais ramené mon micro à moi. Mais du coup, le centre social s'est équipé de micros. Et voilà, donc vous avez le fond vert derrière. D'ailleurs, regardez si je désactive la caméra. On a un petit commentaire. Noka qui nous dit c'est cross-plat, mais on peut pas s'échanger des items entre différentes plateformes. C'est fond vert, pardon, excuse-moi. Hop, tu verras sous le live. Ouais, tu m'as entendu ou pas, Nico? Vas-y, dis-moi. Du coup, un commentaire de Noka qui dit c'est cross-plat, mais on ne peut pas s'échanger des items entre différentes plateformes. Alors c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte avec le cross-platform, c'est qu'on peut jouer ensemble, mais il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire d'autres, c'est échanger les items, les objets qu'on peut gagner, parce qu'on peut gagner dans des caisses, des skins, des roues, mais on ne peut pas exactement, effectivement, s'échanger. C'est une très bonne remarque, Noka. Le cross-platform, c'est bien, mais ça limite quand même pas mal de choses. Ok, et bah voilà, je pense qu'il est 40. Ouais, il est 15h40. Et je crois qu'on avait prévu d'autres choses pour la suite, c'est ça? Bah là, c'est le moment des actus. Ah, actu, c'est ça. C'est le moment des actus. Hop, déjà, je vais enlever l'image de Rocket. C'est le moment actu. Et alors, t'avais quelque chose à nous dire, je crois. Qui? Moi? Ouais. Je sais pas. Tu nous parlais tout à l'heure d'une actu. Ouais. Alors, est-ce que vous avez vu dernièrement... Je vais mettre le petit compte à rebours. Il devrait être normal. Voilà, s'afficher. Donc là, les gars, c'est le moment actualité un petit peu jeu vidéal. J'adore dire jeu vidéal, ça veut absolument rien dire. Jeu vidéal, vous pouvez écrire vos Twitch en com. Ah, mon Twitch en com On verra ça à la fin. Ça, c'est autre chose du centre social, mais t'inquiète, je vous enverrai ça dans le chat. Je suis ma propre pub, tu sais. Si je vous dis... On va commencer par ça directement, le gros truc. Là, il y a 3 jours de ça, il y a un gros jeu qui est sorti. Très gros jeu qui est sorti, d'accord. Très très gros jeu qui était attendu depuis au moins 5 ans. Même 8 ans, enfin. Très grosse hype autour de ce jeu parce qu'il allait révolutionner un petit peu le monde du jeu vidéo. Il est sorti et il a perdu à peu près 103, 113, enfin 100, on va arrondir, 100. Plus de 100 millions de dollars de chiffres à peine le jour de sa sortie. De quel jeu je parle? Et ça a fait le buzz, j'imagine. Et ça a fait un buzz, mais j'imagine. Monumental. Je te raconte, même pas Théodore, je suis encore tout retourné parce que même moi j'ai acheté le jeu et j'ai fait aïe, ça pique. Ah oui, parce que toi, en tant que joueur, tu l'as ressenti. Ah, je l'ai ressenti de ouf. Ah ouais. Ah ouais. Et ça a fait le buzz sur les différents médias, en tout cas, autour du jeu, axé sur le jeu vidéo. Et tu l'as ressenti, mais de quelle manière, du coup? Bah, je l'ai ressenti dans le jeu, parce que du coup, tout ce qui a été dit, attention, machin, attention, bah, je l'ai vécu moi-même, dès les premières minutes de jeu. Et du coup, ça... Ton expérience de jeu, elle a été hyper orientée. Pour certaines plateformes. Ah ouais. Pas pour toutes les plateformes.
Parce que toi, tu as T'as pas trop bien compris, c'est pas grave, je vais t'expliquer. En fait, il y a un jeu qui a été très attendu depuis quelques années, qui est sorti le 10 décembre, là, actuellement, il est sorti. Qui maintenant, voilà, il est sorti depuis 3 jours. Et en gros, le jour de sa sortie, normalement, un jeu, quand tu le sors, tu t'attends à rembourser, en fait, tout le développement. C'est-à-dire, en gros, quand les gens achètent, bah, en gros, ils vont faire un chiffre, en fait. Ils vont faire un très gros chiffre, qui fait bah, voir si le jeu, il a bien marché ou il a pas fonctionné. Là, le jeu, il s'est très, très bien vendu, mais juste à cause de bugs et de gros problèmes qu'il y a eu, plein de bugs, il a perdu en total de 100 millions de dollars juste à sa sortie. Il a, en gros, au lieu de regagner des sous pour rembourser tout le développement, il a dû débourser 100 millions de dollars. Il a perdu 100 millions de dollars, concrètement, le jour de sa sortie. Il a été moins vendu ? Non. Non, d'accord. C'est pas une question de commercial. Il y a eu des remboursements, surtout. Il y a eu beaucoup de remboursements. Ça veut dire quoi, il y a eu des remboursements ? Bah, en gros, bah, quand les gens l'ont acheté, ils ont vu ce qui s'est passé, ah, oui. Bah, ils l'ont renvoyé. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ils ont demandé à se faire rembourser. Red Dead 2. Alors non, Red Dead 2, il est sorti il y a bien plus longtemps que ça. C'est pas ce jeu-là. Red Dead 2, il a eu très peu de bugs. Tiens, on parlait de Red Dead Redemption. Et puis, ouais, effectivement. Red Dead Redemption 2, il est sorti, pour donner l'info, en 2018. Donc c'est clairement pas ce jeu. Là, c'est un jeu... Ah, regarde, il y en a un, je crois qu'il met une petite réponse, là. Ouais. Il y a Yanis qui le dit. Cyberpunk. Exactement, Cyberpunk 2077. Ouais. Exactement, c'est ce jeu-là. Il a fait beaucoup parler de lui. Je vais essayer de vous mettre une image en fond, quand même. Ah oui. Que ce soit un peu plus quali. Effectivement, est-ce que toi, déjà, tu connaissais un petit peu ce... Non. Ce Cyberpunk 2077. Mais par contre, tu vois, tout à l'heure, on vous a proposé tout plein de jeux. C'est vrai que moi, c'est des jeux auxquels j'avais pas joué. On avait sorti d'autres jeux, on avait prévu d'autres jeux. Ouais, on avait prévu d'autres jeux. League of Legends, Fortnite, les Sims 4. Les Sims aussi, moi, c'est vrai que c'est un des premiers jeux auxquels j'ai joué. Mais pareil, j'y ai joué sur PC. J'y ai jamais joué. Moi, j'ai beaucoup joué sur PC, énormément. Et du coup, en fait, une fois que tu es habitué à jouer sur un support plutôt que sur un autre, c'est hyper dur de basculer. Après, j'ai beaucoup joué aussi sur PSP. PSP, wow. Sur PSP. Moi, je me suis fait chourer au collège. j'y ai joué très peu. Là, bah, ça m'apprendra à amener la console au collège aussi. Et puis sur GameCube aussi, j'ai passé pas mal de temps à jouer sur GameCube. Mais c'est marrant, c'est des consoles qui n'étaient pas très connues. Exactement. Ouais. Bah non, mais GameCube, tu sais que c'était une très bonne console en vrai. Ouais, bah ouais, tout à fait. Donc effectivement, je reviens donc sur Cyberpunk 2077. C'est un jeu qui est vraiment... Déjà, le jeu de base, il pesait 70 Go sur console, sur PC. Donc le jeu est jouable sur PC, les nouvelles générations de consoles, donc PS5, Xbox Series X, PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One, bon bref, tout là. Sauf la Switch et tout le reste. Et en fait, ce jeu, pour Ah ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, justement? C'est que, en fait, le jour de sa sortie, le jeu n'était pas joué, était truffé de bugs visuels, de collisions sur les consoles anciennes générations, donc PS4, PS4 Pro, du coup, et encore PS4 Pro, ça allait, et Xbox One. Alors, sur PC, ça allait, parce qu'en fait, le jeu. Il a été optimisé, et ça ils l'ont jamais dit, que pour le PC. Il aurait jamais dû sortir sur les anciennes consoles. Ils l'ont sorti, mais c'est pas passé, parce que du coup, les bugs étaient tels que ça rendait le jeu injouable. Ah ouais. Et moi je l'ai vécu, et du coup, 80 millions de dollars ont dû être remboursés en fait, tout simplement par... Et oui, les gens en fait en jouant au jeu, en voyant qu'il y avait... Tant de bugs que ça, c'était qu'il y avait dégueu, de bugs. C'était dégueu, c'était ignoble. En fait. Okay. Du coup, le groupe s'est fait incendier, enfin le groupe de développement, donc CD Projekt, se sont fait incendier, d'accord. Et CD Projekt, pour le coup, quand même, c'est des développeurs qui sont très sérieux, tu vois, ils ont fait The Witcher 3, donc un bon groupe. Bah, pour vite corriger le tir, ils ont déboursé 55 millions de dollars pour sortir une mise à jour de 17 Go le plus rapidement possible.
Donc ils ont regroupé tous les développeurs, dire hey, les gars, faut vite arranger le coup parce qu'on va perdre encore plus de chiffres. Ouais. Parce que plus le temps passe, plus ça se chiffre en millions, le temps perdu en fait, bah, que les joueurs ne jouent pas sur console, etc. 55 millions de dollars pour sortir une mise à jour genre 2-3 jours plus tard, 2-3 jours plus tard de la sortie. Hein. Ah ouais. De 17 gigas. Et encore, ça va, c'est corrigé. Mais encore quelques petits bugs. Mais après, c'est des petits bugs que tu rencontres la plupart dans les jeux vidéo. C'est normal. Mais voilà, du coup, ça a fait, pour les, en tout cas, pour la sortie de ce jeu sur les anciennes consoles, donc PS4 et Xbox One, ça a fait une descente aux enfers. Ah. C'est les mots, c'est les termes qu'ont sorti les différents médias. Une descente aux enfers de Cyberpunk. J'imagine pour le groupe qui a développé ce jeu. Alors. C'est un échec. Enfin, ça doit être Beaucoup d'influenceurs et de professionnels dans le monde du média, du jeu vidéo, ont senti la chose venir. Ils ont dit attendez les gars, parce que normalement, bien à l'avance, les développeurs envoient des clés de jeu pour que justement les médias, les gros influenceurs puissent tester en fait le jeu avant sa sortie. Mais c'est étonnant quand même que. Mais ils ont donné que des clés de PC. Alors que d'habitude, tous les développeurs donnent des clés pour toutes les consoles, toutes les plateformes sur lesquelles ils vont sortir. Là, les développeurs, ils ont donné aux influenceurs et aux médias que des clés pour PC. Les influenceurs et les médias n'ont jamais pu tester le jeu sur les consoles. Et surtout, quand les développeurs ont montré des images du jeu, ils ont montré que des images de jeu sur PC et pas d'images sur les consoles actuelles, enfin les consoles old generation. Ni 3 PS5, je vais pas dire de bêtises, je crois que PS1, je sais plus s'ils l'ont donné, mais en tout cas, sur les anciennes versions, ils ont jamais donné de clé ou montré d'image de jeu des anciennes versions. Donc ça veut dire que, au final, on sait maintenant pourquoi, parce que le jeu n'est clairement pas fini, clairement pas optimisé pour la old génération. Alors que, autant pas la sortir sur la old génération, mais à mon avis, comme à cause justement de ce confinement et de ce Covid, bah, beaucoup de joueurs sont encore, et moi actuellement au premier, sont encore à jouer à l'ancienne génération. Ouais. Et CD Projekt ont dû se dire bah, on va pas priver nos joueurs de pouvoir jouer ce jeu sur cette PS4, sur cette Xbox One. Du coup, on va quand même le sortir, même si le jeu, bah, il est, on va dire, 70% fini, quoi, à ce niveau-là, quoi. Donc voilà, c'était une descente aux enfers qu'ils ont dû très vite rectifier, mais ça s'est chiffré à plus de 100 millions de dollars, le coût au final. Donc voilà, donc là ils ont sorti une mise à jour. J'ai acheté le jeu deux fois. Ah oui, tu l'as acheté sur PC. Je l'ai acheté sur PC. Parce que je voulais pas. Pour justement ma chaîne Twitch, je voulais absolument. J'ai commencé le jeu, je me disais, what? C'était limite. Il y avait des voitures qui traversaient des gens sans rien. Que j'étais en mode prisé, je pouvais rien faire. Et que du coup, bah, je mourrais dans les 5 secondes qui suivaient. Alors je pouvais rien faire. Du coup, j'ai posé ma manette, je me suis mis en PLS. J'étais pas bien. Donc voilà. Donc effectivement, c'était une grosse descente aux enfers. Après, le jeu s'est très bien vendu. Ouais. Parce qu'il y avait toute la hype derrière, mais c'était l'erreur qu'il fallait pas avoir, quoi. Bon, après, le jeu, il est très bien en soi. Il est très. Là, je suis en train d'y jouer actuellement. Je rentre dans un univers. Alors après, c'est un jeu vraiment. Bon, là, c'est pour les adultes pour le coup, parce qu'il y a vraiment des choix, etc. Voilà, il y a des choses, mais pour le coup, ça reste quand même un bon jeu. Mais qui a eu une entrée un peu bancale, on va dire, dans le jour de sa sortie. Et puis, moi, je comprends complètement. En tant que joueur, quand tu t'achètes un jeu et que le jeu, il est buggé, mais alors, et là, en plus, t'as l'air de dire qu'il y avait quand même un paquet de bugs. Ah, mais t'es dégoûté parce que tu comprends pas pourquoi il y a autant de bugs. Bah, et moi, ça m'est arrivé pas mal de fois sur des jeux. Après, il y a certains jeux, bah, tu vois, on parlait de World of Warcraft tout à l'heure. C'est pareil, c'est un jeu aussi qui était buggé. Mais certains jeux, des fois, les bugs font partie un peu de l'aventure. Oui, mais là, c'est... Mais c'était différent, voilà. C'est différent. Mais par là, exemple... Quand ça devient jouable, c'est plus des bugs. Voilà, là, c'est... Tout à fait. C'est non, terrible. Mais par exemple, c'est vrai que... Bon, moi, j'ai un jeu qu'on vous avait préparé, mais dont on n'a pas parlé, c'était Total War. Un jeu auquel j'ai beaucoup joué, parce que moi, je joue beaucoup à des jeux de stratégie. Et Total War, bah pareil, certains combats que j'ai fait, et en fait le combat ne pouvait pas se finir, impossible de finir le combat parce que la carte était buggée et du coup les attaquants pouvaient plus rentrer. Enfin, c'est vrai que c'est hyper désagréable, quoi, en tant que joueur. T'as envie de casser la. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'époque, donc nous, notre génération, on va dire d'avant, quand on était petit.
l'influence qu'a avait les jeux vidéo dans le dans le dans le dans j'allais dire dans le dans le ah la civilisation rien à voir dans le monde en fait était moins impactant qu'au jour d'aujourd'hui. Maintenant hein, les jeux vidéo c'est vraiment devenu quelque chose de c'est dans les mœurs, tu vois. Avant on parlait de jeux vidéo, ok, c'était on va dire entre guillemets le petit geek qui était dans son coin qui jouait, que tu vois c'était pas aussi développé qu'au jour d'aujourd'hui. Donc c'est à dire que l'attente aussi a augmenté derrière, tu vois. Avant on sortait un jeu sur CD, bah il était bugué, bon bah il y a pas forcément de mise à jour, bah le jeu il était bugué comme tu disais, on jouait avec son bug actuel, mais les bugs par contre étaient moins conséquents qu'au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que bon, voilà, maintenant il y a des mises à jour. Ça aussi, il faut savoir, c'est qu'il y a des mises à jour. Avant, il n'y avait pas forcément de mises à jour sur les jeux CD qu'on recevait, quoi. Si t'avais le jeu, bah, il y avait le bug, bah, il était là, il faisait partie du jeu, quoi. Mais voilà, donc, faut aussi mettre un peu, on va dire, l'eau dans son vin, dans le sens que on a des jeux qui sortent aujourd'hui, on demande une très grosse attente. On demande aussi beaucoup. Ça, ça fait un peu débat aussi qu'on veut sortir plus vite, à dire une cadence de jeu. Ah bah oui, non, mais ça, c'est très rapidement pour pouvoir. Voilà. Alors que CD Projekt, non, eux, ils ont mis pas mal d'années à sortir leur jeu. Bon, malheureusement, pas bien opti pour la console all generation. Mais au moins, le jeu, il est là, et puis il va se corriger. Comme là, 17 gigas de mise à jour, c'est improbable. Parce que 17 gigas de mise à jour, à la limite, ça, c'est pour ajouter une nouvelle carte, un DLC, une extension. Là, on peut... Mais là, 17 gigas, c'est jamais vu dans l'histoire du jeu vidéo, de correctif. Donc au final, le jeu, il fait plus de 100 gigas, tu vois. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Après, c'est aussi très agréable, les jeux auxquels tu peux jouer, il n'y a pas de bug. Ah, Salut, Srambad, comment tu vas? Bienvenue à toi. Ah, on a un commentaire de Julien qui dit « CTR est un excellent remake ». CTR. Alors, traduction. CTR. Je ne connais pas, moi, personnellement, ce jeu. Je ne sais pas ce que veut dire Julien. Ah, Crash Team Racing. Exactement. Crash Team Racing Nitro Fueled, qui est sorti en 2019. Effectivement, qui est un peu le Mario Kart, qui est un peu un Mario Kart-like. Mais je crois qu'il est sorti même avant Mario Kart. Pour la petite histoire, alors attendez, je vous mettre une image. Est-ce que toi tu connais, par exemple, on va parler de Mario Kart, qui est aussi un des jeux les plus phares de la Nintendo. Est-ce que tu as déjà joué à un Mario Kart, toi, par exemple, Théodore? Franchement, non. Jamais joué. Jamais joué à Mario Kart? Jamais joué. Mais tu sais, moi j'ai joué à des jeux, mais c'était vraiment des petites niches. Hein. Enfin, après, bah, y a bien sûr des jeux qui sont plus connus. Pourtant, Mario Kart, c'est un jeu qui est très, très, très c'est connu. Hein, mais tu vois, de la même manière, j'ai jamais joué à Zelda. Ah ouais. Donc, c'est des jeux. Zelda, ça m'a jamais attiré. Je sais pas pourquoi. Tu vois, je préférais jouer à League of Legends. Là, récemment, je t'en parlais un petit peu. J'ai joué à D3 avec mon frère. Enfin, voilà, mais c'est vrai qu'il y a. Après, pour moi, le jeu, c'est vraiment une expérience de vie. Donc, comme je te disais, tu vois, j'ai arrêté le jeu vidéo, mais à tout moment, je pourrais reprendre aujourd'hui. Ouais. Mais c'est vraiment une expérience que je partage avec quelqu'un, tu vois. Je pourrais pas jouer tout seul. Ce serait quelqu'un qui me montrerait le jeu vidéo, qui me le ferait essayer, qui me partagerait en fait un peu sa passion. Mais c'est hyper important en fait pour moi, tu vois, que ce soit aussi quelque chose qui soit partagé, le jeu vidéo. Parce que je me vois pas aujourd'hui jouer tout seul. Vraiment, c'est plus possible pour moi. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup les jeux multijoueurs. Parce que du coup, bah, c'est des jeux auxquels tu pouvais jouer à plusieurs. Et puis, du coup, c'était le plaisir partagé. League of Legends, mais c'est à la fois, c'est un jeu qui est horrible, je trouve. Parce que, bah, y a, bon, moi, je dirais ça comme ça, tu serais peut-être pas tout à fait d'accord. Mais on peut vite devenir un peu addict à faire plein de parties et tout. Mais en même temps, c'est aussi un jeu hyper kiffant parce que tu peux essayer plein de héros différents, t'as plein de manières de jouer différents. T'as des héros support, t'as des héros qui sont... Pour League of Legends. Voilà, ouais. J'ai testé il y a pas longtemps, pareil, j'étais pas un gros joueur de League of Legends. Ouais. En fait, c'était sur un stream spécial, carry ton streamer, et en gros, j'ai demandé à quelqu'un qui connaît énormément mon jeu, bah, de m'entraîner au bout d'une heure, deux heures. Ah ouais. Et ouais, franchement, c'est un délire. C'est un délire. C'est un délire. Ouais, je me souviens de certains héros, Ramus, franchement, ça me faisait marrer, ouais. Non, mais c'est vrai. Il y a Sambrad qui dit D3, c'est de la bombe. Ouais, ouais. Tu parles de D3 D3 Become. Ouais. Alors, c'est un jeu que j'ai pas encore joué. Become Human. Mais c'est vrai, Become Human, c'est ça. Et c'est une claque. C'est vraiment une claque. Parce qu'en fait, tu vois, ça, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure. C'est ces jeux où l'histoire, elle est hyper importante.
plus que le gameplay, tu vois. Le gameplay est important. Dans D3, t'en as un petit peu, il y a quand même un petit... il faut être réactif. Exactement. Mais c'est l'histoire qui est principale. Et en fait, ça raconte aussi la vie de plusieurs personnages. Tu les suis dans leur histoire. T'essaies de reconstituer, en fait, une histoire parce que c'est un peu un jeu... Il y a Beyond Two Souls aussi dans le même délire. Beyond Two Souls, c'est les mêmes développeurs. Et tu suis en fait une fille qui en fait a un esprit qui est en contact d'elle, et en fait c'est Beyond Two Souls, voilà, l'esprit. Et en fait tu te rends compte que cet esprit est très rattaché à cette fille et qu'en fait ils vivent à deux en fait. Ah ouais. Okay. Ouais, et qu'ils peuvent, et l'esprit peut faire des interactions et tout, donc c'est assez intéressant. Mais attends, est-ce que ça a un nom spécifique, ce genre de jeu où tu peux faire des choix et en fonction ça influence? C'est un jeu d'aventure en fait. Ouais, c'est un jeu d'aventure, mais là ce qui est vraiment particulier avec D3, c'est que tu peux faire différents choix en fait. À chaque moment dans le jeu. D3, c'est un jeu d'action d'aventure. Il est classé d'action et Beyond Two Souls. Beyond Two Souls, il est classé pareil, je crois, mode de jeu solo duo, genre film interactif, jeu d'action d'aventure, ouais. Film interactif, tu vois, encore un peu plus, un peu plus. Et je crois qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Et ce n'est pas il reste une minute à peu près. Et c'est pas un live fantôme, hein. C'est pas, les gars, vous êtes pas sur Twitch, hein. Vous êtes sur YouTube. Hein. C'est un live vraiment pour discuter. Donc c'est, voilà. Donc, je vois Noka qui me dit live fantôme, etc. On peut pas parler. Si, depuis tout à l'heure, on discute, Noka. Donc après, non, il y a pas de don. Et les gars, c'est pas un live de Michou, c'est pas un live de Squeezie, c'est pas un... Ok. Là, vous avez la possibilité juste de discuter, qu'on partage justement cette passion du jeu vidéo qu'on peut avoir. Et voilà. Donc, ouais, effectivement, il nous reste moins d'une minute. Ah ouais. Il nous reste 40 secondes. Du coup, ça a été en tout cas c'était assez cool. On a vu un peu, je pense, un peu trop gros pour tous les jeux qu'on voulait parler. Ouais, c'est clair. Mais ouais, on voulait même parler du Fortnite pour vous dire à un moment donné, pareil, Fortnite c'était un des plus gros jeux Battle Royale. À la base, Fortnite, ce qu'il faut vous savoir, juste pour très rapide, c'est qu'à la base, le Battle Royale de Fortnite, donc le multijoueur, n'était pas du tout fait. J'étais pas du tout fait pour ça en fait. À la base, Fortnite c'était un jeu solo de survie zombie. Mais il a jamais marché de ce côté-là. Et ils ont sorti un Battle Royale, boum, ça a explosé. Voilà, et ils sont devenus au jour d'aujourd'hui ce qu'ils sont actuellement quoi. Ouais, on avait Nicole, pas mal de jeux. Je voulais te partager ma petite anecdote très rapidement. La première console avec laquelle j'ai joué, c'est la Game Boy Color. La même. La même. Avec Pokémon version bleue. Ouais, Pokémon version bleue, les gars. Ok. Aïe, aïe, aïe. Eh ouais, on est vieux. Ouais, c'est... Bah, non, d'ailleurs, c'est... les gars, et je pense être... on va peut-être clôturer sur ça. Cela est 4 heures. Les gars, dans le chat, justement, parce que Life Phantom, hein, je reprends ce qu'a dit Noka. Quel était votre premier jeu que vous avez joué? En tout cas, jeu vidéo, peu importe la plateforme. Quel était votre premier jeu vidéo que vous avez joué de votre vie? Bah moi du coup c'était Pokémon sur Game Boy Color, voilà. Donc quel était votre premier jeu et puis on finira. On vous laisse répondre dans les commentaires. En attendant, moi je tenais vraiment à remercier Nico pour ce live. Juste c'est vraiment ce fut une belle aventure, hein. Exactement. Ça m'a permis de te découvrir un peu plus. Je savais pas du tout que tu connaissais autant en matos, en jeu aussi. T'as plein de références en fait. Il y a plein de choses auxquelles t'as joué. Bah, comme je le dis, je stream aussi à côté personnellement sur donc Twitch, qui est une plateforme principalement de gaming. Donc, bien entendu, je touche un peu à tout dans le jeu vidéo, etc. Et donc, c'est vrai que là, pour le coup, on avait initié ça un petit peu le live dernier, dimanche dernier, c'est autour du jeu vidéo. Là, on a vraiment fait un live dédié autour du jeu vidéo. Ouais, c'est cool. Mais après à voir si dans les prochains dimanches, s'il y en a, enfin je sais pas, après faut voir avec le centre social, mais si dans les prochains dimanches, on peut garder ce côté jeu, tu vois, mais vraiment le mettre en mode petite chronique. Petite chronique, ouais. Tu vois, on marche par chronique, voilà, on est en train de parler de l'avenir, mais on sait pas de quel avenir on fera avec toutes ces histoires de Covid, des confinements, reconfinements, on sait pas. Donc on verra bien. Donc là on a déjà des premières réponses, donc... Je sais pas si c'est... Pokémon sur Nintendo 3DS. C'était Ruby Saphir, c'était quoi? C'était... Quel Pokémon? Daxter. Mario Kart DS. Daxter. Moi, je connais pas Daxter. Daxter. Ah oui, Daxter. Oh. Bah c'est un... Ouais, je connais pas. C'est sur PSP. PlayStation 2. Il est sorti sur... PlayStation Portable, donc c'était sur PSP, donc toi aussi t'avais la PSP. Intéressant.
Jack and Dexter. C'est bon, ça me revient. Jack and Dexter. C'est, ouais, pareil, c'est un groupe qui est très connu. Bah, pareil, sous licence Sony, il y a que Sony qui peut sortir ce jeu-là. Et je crois qu'il y a un nouveau jeu qui va arriver sur PS5, d'ailleurs, de Jack and Dexter. Et ça, Jack and Dexter sur PSP. Pouah, incroyable. Mais en fait, vous êtes pas si jeune que ça, en fait. Hein. Vous n'êtes pas si jeune que ça. Bon, vous avez 5 ans ou 4 ans que vous avez joué, c'est pas possible. Parce que, attends, le jeu, il est sorti quand? Il est sorti en 2006. Ah. Quand même, hein. Ah, quand même, hein, ça date, hein. Ça date. Ouais, non, c'est qu'ils avaient la PSP à 5 ans dans le... Ouais, t'avais la PSP d'un côté et biberon de l'autre. Et... T'imagines le délire? Bon, je crois que Nico, on c'est va clôturer, ouais, c'est bien, on dure en tout cas. C'est le moment des adieux, c'est le moment de se dire au revoir, de se souhaiter de bonnes vacances surtout. Ouais, de bonnes fêtes. Bonnes fêtes. Si jamais on se revoit pas dimanche prochain. je suis hyper jeune, haha, faut pas imaginer. Ouais, et bien on va clôturer en tout cas. Merci pour tous d'avoir suivi sur ce live qui était, bah, je crois que c'était un des meilleurs lives qu'on ait fait, parce que pour le coup, on a atteint les 9 à un moment donné de personnes. Bah, ouais. En tout cas, merci à vous d'avoir participé. N'hésitez pas à aller voir les rediffusions, il y a d'autres lives qui sont restés sur la chaîne de cette chaîne là, donc n'hésitez pas à échanger dans les commentaires aussi dans les rediffusions si vous avez des idées. On répète à chaque fois, mais n'hésitez pas à partager le live et à mettre des idées dans les commentaires des pour savoir quoi, des suggestions exactement. Ouais. Voilà, et puis restez connectés sur tout ça. Et puis mettez dans vos commentaires s'il y en a qui veulent aller voir, parce qu'ils m'ont posé la question, donnez vos Twitch. Je répondrai. J'ai dit, bah moi je veux se connaître, comme ça je récupère vos pseudos, et si vous voulez voir en plus ce que je fais sur Twitch, etc. Le Twitch en commentaire, les gars, je vais pas le donner comme ça dans la diffusion du live. Je préfère le donner en privé pour chacun d'entre vous qui voudront aller me voir. Et puis voilà. Et puis merci Théodore du coup de m'avoir accompagné d'avoir repris du coup, parce qu'avant c'était Nawel. Et normalement vous la connaissez, Nawel. Du centre social qui avait initié la chose, et Taylor qui l'a repris avec moi. Moi j'ai pas bougé, hein. Merci à toi en tout cas d'avoir donné tes bons avis et tes bonnes idées, puis voilà, avec grand plaisir. Je te donne le mot de la fin. Et franchement, je suis plein de reconnaissance envers toi, Nico, et je trouve que t'apportes plein de belles choses. C'est chouette. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique, mais maintenant on attend que vous de porter des bonnes choses. Ah bah ouais, hein. Exactement. Et bien sur ce, à ciao. Salut. Hein, allez, je te fais disparaître. Attention, un truc très cringe. Je vais me faire disparaître. Ok, vous êtes prêts? Viens jusqu'à la fin. Voilà, il a disparu. Et moi, je m'auto-disparais. Ouais, mais on m'entend toujours, Nico. Non, on n'entend plus, là. On t'entend plus non plus? Ah si, on m'entend. LOL.